C'est normal ça? C'est normal ça? Je crois pas que c'est normal. On se barre. On dirait que ça mène au sous-sol. On va appeler Michel. On va pouvoir sortir d'ici. On va appeler Michel. Hé Marvin, c'est bon. Il y a bien une issue. Marvin, debout. On fiche le camp d'ici. Allez. J'ai fait un cauchemar. Je rêvais qu'il y avait des zombies. Ça va? Non, je... Vas-y. Sauve ta peau. Ouais, il est bien le tapis. Qu'est-ce que vous racontez? Il faut vous emmener à l'hôpital. T'en prie, Claire. On sait tous les deux comment ça va se finir. Il faut que tu quittes la ville. Je peux pas vous laisser ici. Claire, s'il te plaît, va-t'en. Fais ça pour moi. D'accord. De toute façon, vu qu'on est dans la merde, hein, autant y rester, hein, ça c'est vrai que c'est complètement... Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est là? Ah non, t'as un enfant! Ah non! Ah non! Hey. T'en fais pas. Je te veux pas de mal. Tu veux que je t'aide? Les enfants, viens, c'est pas bon dans un jeu. Encore moins dans un jeu d'horreur. Hein. Tu me sois d'aide. Ah oui, moi oui! J'ai Et clairement besoin d'aide. J'ai compris. J'ai besoin d'aide. Tu as besoin d'aide? Bah parce que je sais pas. Il est juste derrière toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah bah ça y est, le moment du boss. Sinon, il crève quand là? Parce que sans déconner, je suis vraiment pas bien. Faut viser l'œil. Là, ça marche? Oh, dis-moi qu'il crève là! Bah alors là, je vous le dis direct, il est pas mort le mec. Hein. Moi, tant que je vois pas le mec tomber devant moi, se déchirant en morceaux, surtout dans un Resident Evil, pour moi le mec est pas mort. Vous croyez qu'on la connaît pas, la coup de la morgue? Vous en avez d'autres, des conneries comme ça, là? Il va y avoir des zombies dedans, c'est obligé, hein. J'ouvre un tout petit peu et je referme. Rien à foutre. À moins qu'il y ait une animation complète. Et là, je suis censé ouvrir. Non. Ah bah oui. Ah bah oui. Oh, la clé.
Oh putain! Non mais allez chier là, c'est bon, merde! J'ai pas le choix, hein. Let me out. Oh non. Genre la technique du laisse-moi sortir, elle pue la merde. Il va y avoir une saloperie. Ah, c'est le truc avec la boîte à bijoux avec le joyau. Bah attendez, j'y retourne, hein, je vais le foutre. Hein. J'en ai aucun courage. J'ai un pit et le courage frôle le zéro. Il est incroyable. Je suis focus sur la séquence. Vous voyez, au moins vous savez que je ne triche jamais quand je suis sur un jeu d'horreur. Et je suis pas comme ces personnes qui sont comme as, qui entendent tous les bruits extérieurs et qui entendent très peu le jeu ou qui met mon mix-amp hyper bas. Le son est à fond. Vous en avez la preuve. Ah, je suis en full. Merde. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est normal ça? C'est normal ça? Je crois pas que c'est normal. C'est pas normal. Putain, moi je voulais juste aller à la salle en bas. Ça servira à rien du tout. Je suis pas bien, je peux plus, j'ai plus. Ah, j'ai mal au cœur. Je suis pas bien. Il m'a fait tellement mal en un coup. Oh, ce qui m'a mis en un coup. C'est quoi ces conneries? Dieu, non. Marvin. Bah non, Marvin. Je suis désolée. Mais je crois qu'il venait pas. Mais je crois qu'il venait pas. On va tester juste de lui mettre des shoots. Il va très vite quand même. Hein. Bon, il va me tomber là, c'est moi, je suis morte. Je veux voir juste ce qu'il fait. Tant pis, tant pis. C'est pas grave. Ah, c'est comme ça? On va descendre, hein, mais...
Oh non. Vous pouvez pas me croire hein, quand je dis ça. Ah putain. Ça ne ressemble pas du tout à Chris. L'autre coup, il va se réveiller, on est au courant. Oh, j'arrête là.